Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Seasons pour ce nouveau rendez-vous consacré aux tests d'équipements de chasse et de pêche. Ce sont les Seasons Tests. Alors le principe de cette émission est simple, hein. Nous allons sélectionner chaque année les produits les plus intéressants, les plus innovants que vont proposer les fabricants dans leur nouveau catalogue, hein. Et puis on va les amener sur le terrain pendant plusieurs semaines dans toutes les situations auxquelles ils se destinent. On va les pousser dans leur retranchement, hein. On va les tester à fond jusqu'à leurs limites parfois. Je ne vous cacherai pas qu'il risque d'y avoir de la casse, un petit peu comme dans un crash test. Mais ça fait partie du jeu, alors bah, s'il y a de la casse, on ne s'énervera pas. Mais au final, ce dont on est sûr, c'est que quand on va vous conseiller un produit à l'issue de nos essais, il aura été testé pour vous, approuvé pour vous. Bref, on vous le recommandera sans réserve. Pour inaugurer cette première série des Seasons Tests, nous allons tester d'emblée les pièges photos. Pourquoi ? Parce que c'est la tendance actuelle, ils s'en vendent de plus en plus, on sait que ça vous intéresse. Alors les pièges photos, jadis, c'était, vous savez, ces espèces de gros boîtiers encombrants, assez vilains, qu'on utilisait surtout dans le domaine de la sécurité, de la surveillance, hein, des entrepôts, des hangars, des marchandises de valeur, qui sont arrivés progressivement dans le domaine de la chasse, mais qui au départ ne faisaient que des photos, point barre, et des photos pas très artistiques, hein, faut bien reconnaître. Bon, depuis, ils ont bien évolué, hein, ils se sont enrichis de fonctions, d'options différentes et variées, à commencer bien sûr par la fonction vidéo, mais aussi d'autres options, d'autres fonctions qu'on soupçonne d'être peut-être un peu des gadgets ou d'être pas toujours utile, vraiment vraiment utile pour le chasseur. Alors, nous avons sélectionné pour vous 5 produits, hein, qui correspondent aux différents niveaux de gamme présents sur le marché. Donc le Snapshot Mini Black HD de Dörr, la marque allemande Dörr. Nous avons ensuite la Trail Camera Camo de Primos, marque américaine. Nous avons ensuite le P1010, un modèle de la marque française Numax. Nous avons ensuite le Snapshot Multi HD de Dörr. Et nous avons enfin le Trophy Cam HD de Bushnell. C'est le plus connu, hein, c'est vraiment une référence sur le marché du piège photo. Alors, ce qu'il faut préciser bien sûr, c'est que tous ces produits qui ne valent pas le même prix ne se valent pas en termes d'options. C'est-à-dire que nous avons les modèles d'entrée de gamme qui font photo, vidéo, point barre. Et nous avons ensuite sur les modèles plus haut de gamme, par exemple, des options telles que l'envoi de SMS directement sur votre mobile en temps réel, sous réserve toutefois, hein, bien sûr, d'acheter une carte SIM et de l'insérer dans les modèles donc les plus technologiques, on va dire. Donc voilà, ces 5 produits, il ne nous reste plus qu'à les implanter sur le terrain. Nous avons choisi pour ça un territoire du Piémont gardois. Nous l'avons choisi pour sa richesse en petit gibier et en grand gibier. Je ne vous cache pas qu'on espère faire pas mal d'images à la fois de perdreaux au bord des agrès noirs et de sangliers au bord des points d'eau, par exemple. On va varier les réglages, on va varier les cadrages, on va varier les angles d'incidence. On va varier les distances de prise de vue et donc forcément les portées d'éclairage. On va essayer d'utiliser toutes les options que proposent ces différents produits. Et puis, au terme de notre test, on espère pouvoir vous dire lesquels font les meilleures images. Mais ça, on va le faire avec vous. On va aller les poser ensemble, on va aller le relever ensemble. Vous allez venir avec nous. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, on pose le premier, le Numax, il est blindé, il est full power. Alors, une précision importante, ces sangles là, ces attaches, ces fixations avec ces espèces d'attaches sangles là, de serre sangles, je sais pas comment ça s'appelle, c'est nul. Donc en fait, on se retrouve plus ou moins toujours à faire tranquillement un nœud de lacet à l'ancienne. Ça tient vachement mieux. Alors, pour régler l'inclinaison, j'en suis encore à utiliser des bouts de bois, du bois d'arbre. Hein. Mais il faut reconnaître que depuis 10 jours, là, 12 jours que je pose des pièges photo, si j'étais un peu moins une andouille, je me serais fait quand même un système de petites cales en bois qui me permettrait de régler avec beaucoup plus de précision l'inclinaison que je veux donner à ma caméra. Mais bon, je suis une andouille, donc. Puis surtout, j'ai la tête dure.
Là, voilà, avec l'écran, l'ouverture pour l'écran en façade, ben voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. J'ai mon cadrage, j'ai mon cadreur d'ailleurs dans mon cadrage. Hein. Dites-vous bonjour. Voilà. Il te filme, tu le filmes, vous vous filmez, c'est bien les gars, je vous dérange pas. Allez. Une chose importante, trouver la bonne distance. Là, c'est la première fois qu'on arme sur ce point d'eau. Je vais en mettre de très proche de l'eau. Et celui-là, tu vois, je le fixe beaucoup plus lointain. Parce que quand on est trop proche, on a souvent des erreurs de cadrage. En même temps, bien sûr, il ne faut pas être trop lointain. Ça, c'est rapport au PIR, c'est-à-dire au détecteur de mouvement, qui, à longue distance, ne fonctionne plus. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'herbe, surtout pas qu'il y ait de branches. Sinon, ben, vous allez prendre en photo que de l'herbe et que des branches. Alors, en plus, là, l'avantage, c'est que les pièges photos vont se répondre. Je fais exprès, hein. C'est-à-dire je les place les uns par rapport aux autres, de sorte qu'ils puissent éventuellement se filmer, parce que j'ai un affreux doute sur les LED no glow. Donc ben là, quand ça va déclencher face à face, et on verra si ça fait de la lumière ou pas. La sensibilité du capteur et le réglage de la puissance des LED, c'est ça qui va vous permettre de trouver la bonne distance par rapport aux animaux. Et c'est donc ça qui va conditionner la qualité de vos vidéos, et notamment la qualité de vos cadrages. Je m'explique, si vous avez mis un éclairage trop puissant, ben d'abord vous risquez d'avoir des images surexposées. Si au contraire vous avez mis un éclairage trop faible ou que vous êtes mis trop loin par rapport à l'éclairage que vous allez régler, eh ben vous allez avoir des images floues avec des animaux bruités qui sont à la limite de l'éclairage, qui sont dans le sombre. Et enfin, le dernier point dont il faut dire un mot bien sûr, c'est la taille de vos vidéos, mais ça vous le verrez à l'usage. Ne réglez pas une taille de vidéo trop courte. C'est toujours extrêmement frustrant quand on a réussi à capturer un sanglier en train de se bouger, d'avoir 15 secondes et puis hop, ça disparaît. Quand on saisit une scène rare et précieuse de la vie animalière en nocturne, bah, on a envie de la voir le plus possible. Donc moi, je vous conseillerais de jamais régler des tailles de vidéo inférieures à 50 secondes, voire une minute. Quitte à mettre à rallonger l'intervalle entre les vidéos, bien sûr, pour ne pas blinder la carte mémoire avec des vidéos trop longues. Surtout si on a des déclenchements intempestifs sur des petits animaux, alors je sais pas, des salamandres, le lézard osselé, etc. Privilégiez en général une distance de 5 mètres, 4, 5, 6 mètres de la zone à photographier ou à filmer. C'est là qu'on obtient les meilleures photos et vidéos. Ensuite, au niveau du réglage de la sensibilité du capteur, eh ben, il faut absolument la baisser dès qu'on a du vent ou dès qu'on a de la chaleur, sinon ça déclenche sur n'importe quoi. Par contre, bien sûr, il faut l'augmenter. Hein, évidemment, si vous voulez capturer des petits animaux, type oiseaux, perdrix, etc. Vous avez une option sur tous ces pièges photos, tous peut-être à l'exception du Primos. Une option qui va s'appeler tour à tour Field Scan, horaire fixe, déclenchement auto, c'est la même chose. C'est la possibilité de demander à l'appareil photo de prendre par exemple entre 21h et 22h une photo ou une vidéo toutes les minutes, toutes les 2 minutes. Par exemple, d'une grande prairie comme celle-là, où vous soupçonnez que matin et soir, vous avez un grand broc là qui sort, mais vous ne savez pas exactement quelles sont ses allées et venues, quelles sont ses coulées, etc. C'est-à-dire, vous ne savez pas s'il sort là, s'il sort là, vous ne savez pas où poser votre piège photo. Et bien, vous allez le mettre sur une coulée d'où vous voyez l'ensemble de la prairie. Vous allez mettre le mode field scan ou déclenchement auto. Et puis, vous allez peut-être avoir une photo de votre chevreuil qui est tout au bout, que vous n'auriez jamais prise, bien sûr, avec le détecteur de mouvement, puisqu'il n'aurait pas été capté. Mais la caméra, elle est tout à fait capable de vous faire une photo ou une vidéo du chevreuil ou du renard en train de passer en plein milieu de cette prairie. Il faut aller les relever maintenant. Elle est belle cette souille. Hein. C'est vraiment une souille, vraiment comme on appelle dans le midi méditerranéen, une trempadou, on appelle ça ici. Oh, sanglier cette nuit. Sanglier cette nuit. Oh là là, puis alors belle bête. Belle bête. Vous voulez le voir là? Tu y vois là sur la caméra? Tu le vois le bestiau? Oh, il regarde bien le piège photo. Oh, belle bête. Oh, le gros mâle. Râle, 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 râle. Il est armé et plouf dans l'eau. Oh là là, je pense que là, quand on va regarder cet animal là sur l'ordinateur, on va pouvoir se rendre compte à quel point il est armé. Parce que là, rien que sur l'écran noir et blanc là, vite fait, je peux me rendre compte que je vois ses défenses. C'est un truc de dingo. Je crois que là, on a vraiment une belle bête. Voilà, voilà le genre de plaisir qu'on peut prendre avec ces pièges photos. C'est, on prend connaissance de la population réelle qu'on a sur notre territoire.
Donc là, c'est intéressant parce que vous voyez, là, en bas à gauche de l'image, j'ai une oreille de sanglier et du poil de sanglier qui bouge là. Et là, je me dis, j'ai raté mon cadrage. Et alors, la réponse à ce mystérieux sanglier qui ne bouge pas, on l'a vu depuis le piège photo d'en face. Et regardez ce qui se passe. On voit très bien le déclenchement du piège photo Trophicam. Et bien sûr que le sanglier est en train de le regarder. Alors, ça ne le gêne pas, hein. Au final, il finit par aller dans la souille. Là, vraiment, on voit, sans aucun doute possible, que le déclenchement du piège photo est immédiatement détecté par le sanglier. Donc les LED noglo, les LED noirs noglo, contrairement à ce qu'on nous dit, sont perceptibles. Alors, nous arrivons donc enfin à l'issue de ce test, au bout d'un mois et demi, sur le terrain. Il est donc temps de vous en donner les résultats, ou si vous préférez, de vous livrer le verdict sur les produits. Et précisons d'emblée que sur les 5 que nous avions sélectionnés au départ, il n'en reste aujourd'hui plus que 3. On a donc deux éliminations de produits dès le premier test, qui sont liées principalement à des problèmes de déclenchement. Donc quand on voit le boulot que c'est finalement d'implanter un piège photo, de trouver le bon cadrage, le bon arbre, la bonne distance par rapport aux animaux, le bon éclairage, si c'est pour se retrouver le soir où les animaux sortent avec zéro image, moi je dis carton rouge. Il reste donc 3 pièges que nous pouvons vous conseiller. Au final, pour des raisons assez différentes, on va les prendre par ordre de prix croissant. Alors moi aussi, vous voyez que j'ai mes notes. Et on va commencer par la Proof Camera Camo de Primos. Alors c'est un modèle fiable, d'abord, qui n'a pas raté un seul déclenchement, notamment parce qu'il a une vitesse de déclenchement extrêmement rapide de 0,4 secondes. Et ça, c'est un paramètre très important. Par ailleurs, il n'a pas fait un déclenchement à vide non plus, même par temps très chaud. Il a fait très chaud cet été, ce qui prouve qu'il a une sensibilité de détection qui est parfaitement adaptée, ou en tout cas adaptable en fonction des conditions météorologiques. Enfin, il a une autonomie incroyable, c'est-à-dire qu'au bout de 10, 12, 15 jours sur le terrain, il est toujours à 85% de charge. C'est totalement bluffant. Et enfin, il a une qualité d'image que nous, on a trouvé assez bonne au final, avec des photos de 12 mégapixels et des vidéos qui sont à la limite du Full HD, qui ne sont pas vraiment en Full HD, mais qui sont vraiment, enfin, vous les avez vues, elles sont tout à fait acceptables et satisfaisantes. Donc au niveau rapport qualité-prix, ce modèle-là est imbattable. Par contre, son principal défaut, c'est qu'il n'a pas d'écran pour regarder les vidéos avant de relever les pièges. C'est un défaut parce que ça pose un problème, évidemment, au moment de l'implantation du piège pour faire ses cadrages. On a eu quelques ratés. Mais dans l'ensemble, on a beaucoup aimé ce produit simple, robuste, étanche, certes un peu basique, mais parfaitement efficace, et qui convient tout à fait au chasseur qui veut juste savoir ce qu'il a sur son territoire. Ensuite, nous avons le Trophicam HD de Bushnell. Alors lui, on l'a dit, c'est la référence sur le segment, sur ce segment de marché. Et en effet, au niveau fiabilité, ergonomie, fluidité, facilité et fluidité d'utilisation, avec notamment la possibilité de vérifier très rapidement son cadrage sur un écran LCD qui est vraiment net, lumineux, bien défini. Alors lui, à ce niveau-là, c'est le top. Précisons quand même que là, le prix de ce modèle-là a quasiment doublé par rapport au modèle précédent. Donc forcément, on a des options en plus, comme par exemple l'envoi de photos par MMS en temps réel, vous êtes en direct sur votre territoire. Alors là, je dirais qu'on est sur un produit qui se destine vraiment à une utilisation mixte, à savoir observation de la faune et surveillance du territoire. Par exemple, si vous avez des vols de pièges en saison de piégeage et que vous voulez surveiller ça, l'envoi de MMS en temps réel, ça peut vous permettre d'intervenir de suite si vous êtes à proximité de votre territoire. Et là, effectivement, côté surveillance, le Bushnell apporte un vrai plus. Par contre, ce produit a quelques défauts. Par exemple, si vous voulez communiquer avec votre Trophicam, changer vos réglages, recevoir des MMS, oui, mais il vous faudra vérifier que vous avez une bonne couverture 3G sur votre territoire. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir utiliser toutes les options de ce produit et là, vous aurez dépensé trop d'argent. Enfin, parlons du modèle Snapshot Multi HD de Dürr. Alors ce dernier n'envoie pas de SMS, il n'a pas la fonction SMS. Par contre, il dispose également d'une télécommande qui permet de l'allumer ou de l'éteindre à distance en évitant de remettre son odeur partout sur la zone à filmer, évidemment. Il est parfaitement camouflé et ça, il a un camouflage vraiment de toute beauté. Et ça, ben, ça compte quand on laisse un produit de cette valeur plusieurs jours et plusieurs nuits sur le territoire. Moi, j'aime bien qu'il soit un petit peu furtif. Et puis alors, surtout, il est sans conteste celui qui fait les meilleures images nocturnes. Elles sont nettes, elles sont précises, elles sont superbement éclairées, elles sont parfaitement définies. Il faut noter qu'il est équipé de 60 LED contre 33 par exemple pour le Trophicam. Et, alors, c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui justifie son prix élevé. Alors ce modèle-là se destine donc à l'amateur éclairé, je dirais, d'images animalières de bonne qualité.
les gens qui vont prêter une attention particulière à la qualité de la couleur, à la qualité des contrastes. Ça peut être utile pour le chasseur, hein, des fois aussi, quand on veut faire la différence entre certaines espèces de mustélidés prises en nocturne, mais je dirais vraiment l'amateur de belles images animalières, alors là, c'est le d'or qu'il lui faut. Il n'y a absolument aucune hésitation. Voilà, à présent, ben, c'est à vous de choisir. On espère que nos conseils et nos tests vous auront aidé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Seasons Test.